Psaume chapitre 115, nous lisons la parole du Seigneur. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Les petits et les grands, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence. Mais nous, nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans le livre est mienne. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Oui, chaque promesse. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Nous sommes heureux, notre Père Céleste, notre Dieu, de nous retrouver encore dans ta maison aujourd'hui. C'est vrai, comme nous l'avons entendu, chaque promesse dans la Bible est notre, mon sauveur. Que ton nom soit exalté encore aujourd'hui pour ta grandeur, notre Dieu, d'avoir donné cette grâce de pouvoir avoir des promesses que tu nous as faites, mon Seigneur. Nous nous tenons sur ces promesses, mon bien-aimé Père Saint, et nous croyons et nous sommes réellement rassurés, sauveur, que toi qui es Dieu, qui es fidèle, mon bien-aimé Père Saint, quand tu promets, tu accomplis aussi cela, Père. C'est pour ça que nous nous réjouissons encore en cette journée, mon bien-aimé Père Saint, d'être dans ces lieux, parce que nous savons que tu es le Dieu qui a dit que là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis vraiment au milieu d'eux. Nous croyons en ta fidélité, mon bien-aimé Seigneur, en ta présence divine, mon bien-aimé Père Tibissant, parce que ce matin, tu es là, mon Père. Merci encore pour chaque frère et chaque sœur, en ces lieux, Père oh Dieu, et ceux qui sont aussi en connexion à différents pays, différents endroits, mon sauveur. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom, parce que chaque jour qui passe nous rapproche de ta venue, mon Seigneur. Tu es vraiment roi. Viens, mon maître béni, Seigneur, et domine, et règne encore dans la vie de chacun de nous, bien-aimé Père Tibissant. Nous te désirons, plus que toutes autres choses, mon bien-aimé Père Saint, que nos cœurs soient vraiment attachés aussi à toi, mon Père Saint.
pour te servir comme toi tu le veux, Seigneur. Merci encore pour ton amour, merci encore pour ta bonté, merci encore pour le pardon de nos péchés, mon bien-aimé Père Tissant, pour la grâce d'être appelé un fils de Dieu, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, l'âge d'être appelé une fille de Dieu, mon bien-aimé Père Tissant, d'être réellement un peuple qui t'appartient, mon sauveur. Ce matin, merci encore pour ce rassemblement, Père Saint. Merci encore pour Jean des Cantiques. C'est vrai, nous aimons chanter ton nom, mon bien-aimé Père Tissant, et te célébrer, Père, parce que tu es réellement Dieu digne de gloire. Sois donc exalté encore ce matin, mon Père, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Qu'il vous bénisse richement. Amen. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver. Vous avez prié et je suis revenu. Que le Seigneur... Que le Seigneur récompense chacun de vous pour votre amour. Et pour moi, c'est un privilège de pouvoir vous avoir et de voir aussi l'amour que vous portez pour la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un beau jour pour nous tous. Nous nous réjouissons d'être le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Te bénisse, ma bien-aimée. Combien il est bon, il est doux et combien il est merveilleux de pouvoir réellement se tenir dans sa présence et de glorifier notre Dieu pour son amour et aussi pour sa fidélité. Or, comme la Bible dit qu'il est vraiment doux et agréable pour des frères de pouvoir demeurer unis ensemble. C'est le désir de notre Dieu, c'est la volonté de notre Seigneur, parce que c'était là aussi sa prière, qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. La communion fraternelle est une recommandation de notre Dieu et aussi un désir profond de chaque véritable fils et fille de Dieu. C'est pour ça qu'il nous a été fait savoir que dès le premier jour où l'Église a eu à pouvoir être manifestée, comme le Seigneur a dit sur cette révélation, je bâtirai mon Église, si possible, de pouvoir un peu l'arrêter par là. Je bâtirai, merci mon précieux frère, je bâtirai donc mon Église ce jour-là de Pentecôte. Nous avons vu effectivement comment l'Église donc est venue donc à l'existence et quel était donc le fruit donc porté donc cette église en question. C'est à cela que le Seigneur nous ramène davantage, effectivement, à cette église primitive où l'avait lui-même semé la semence. Et on nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, effectivement, dans la communion fraternelle et dans la fraction de pain. Nous, nous résistons de ce que Dieu nous donne des bébés. Nous sommes heureux de voir que notre Dieu est un Dieu qui donne. Et quand il donne, nous lui remercions vraiment de tout notre cœur. C'est pour ça que je pense que, d'après ce que j'aurais pu entendre, nous avons deux bébés. Ah ben, si ces deux bébés sont là, que les parents avancent, que nous puissions aussi les voir aussi, hein, ensemble aussi. Alors, c'est cantique qu'on venait de chanter. Vous le connaissez maintenant? Alors, la chorale peut nous aider. Chaque la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse est mienne. Chaque promesse est dans le bonheur. C'est pas pour vous. Si c'est à vous, alors chantez. Aimez la promesse, mon frère.
Vous n'êtes plus étranger. Amen. Donc vous êtes maintenant concitoyen des saints. Amen. Chant de la maison de Dieu. Amen. Alors prenez position. Amen. Alors, quand j'ai dit chaque promesse est bien, c'est à moi. Amen. Donc c'est terminé puisque ça m'appartient. Amen. Donc tout ce que Dieu a dit de bon pour moi, je le prends. Amen. Vous préparez le plat. Amen. Vrai, non? Amen. Et il a dit aussi, allez et multipliez-vous. Amen. Et c'est que... Alléluia. Vous savez, il y a un cantique qui dit, quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. J'ai les promesses et je marche avec lui. Alléluia! Il dit, il conduira tous les pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Vous savez, mon frère et ma soeur, Anna a pleuré. Amen. Et regardez ses voisines, effectivement, même ses concubines qui pouvaient avoir des bébés. Mais elle n'avait pas de bébé. Il a essayé, il n'y avait pas de possibilité. Mais si elle savait qu'il y avait un Dieu. Voyez, ce que nous voyons ici, c'est une grâce de Dieu. Il y a des hommes et des femmes, mon frère, ma soeur, dans ce bas monde, qui n'arrivent pas à voir des bébés comme ceci. Et quand on peut voir ce bataillon s'éteindre ici, alors on dit chaque promesse. De pouvoir. Nous devons remercier Dieu pour toutes choses, mon frère. Et ce remerciement est un remerciement pas formulaire, mais vraiment sincère. Un être comme celui-là qu'on voit, il était d'abord quelque part. Non, c'est un miracle. La vie d'un homme. Pas formulaire, habitué, mais pensez-y. Avant, il n'y avait rien. Et puis après, il s'est fait former un petit peu comme ça. Et puis aujourd'hui, il se tient là, un jour il va chanter les cantiques. Amen. Oui, chaque promesse. Amen. Dieu tient ses promesses. Amen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à pouvoir prendre possession de ce que Dieu nous a donné. Chaque promesse dans la Bible est bien. Je peux. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Gloire à Dieu. Notre Père Céleste, notre Dieu, quel bonheur de pouvoir vivre avec toi, mon sauveur. Que la grâce de pouvoir te connaître dans notre vie de tous les jours, Père, et de marcher avec toi, le Dieu très haut. Quand on peut tenir cet enfant dans nos mains, Seigneur, c'est un miracle, mon bien-aimé, Père Tubissant. Ni ta servante, ni ton fils aussi, bien-aimé, Père Tubissant, ne pouvait pas réaliser, Père Tubissant, ce que toi, tu as fait, Seigneur. Parce que l'ennemi s'était déchaîné pour détruire mon roi, mais tu as veillé même dans le ventre de sa mère. Je te prie, je te remercie encore pour cet enfant Eden, mon bien-aimé, Père Dieu. Oh Dieu, devant ton trône de grâce, les présente, mon roi. Oui, Père, oh Dieu, que ta main puissante, mon bien-aimé, Père Saint, qui protège et qui garde, mon bien-aimé, Père Saint, parce que dans la Bible, tu es notre forteresse, mon bien-aimé, Seigneur. Tu l'es et tu l'es toujours, mon roi. L'enfant soit gardé en toi, mon bien-aimé, Père Tubissant, par ta main
puissant, mon bien-aimé Seigneur, contre les maladies, bien-aimé Père Tibissant, contre les choses aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que ton nom à toi veille sur toi, mon bien-aimé Père Tibissant. Oh Dieu, qu'il soit béni, mon bien-aimé Père. Tu es réellement Dieu, que ton nom soit exalté, mon roi, que ton nom soit béni encore, bien-aimé Père Tibissant, parce que tu protèges, mon bien-aimé Seigneur, que son papa soit béni, que sa maman soit bénie, mon Père, que ses soeurs aussi soient bénies, Père. Oh Dieu, je prie encore pour tous les enfants, bien-aimé Père Tibissant, de mon frère. Oh Dieu, devant ton grâce, mon bien-aimé Père Tibissant, Père Saint, qu'il soit aussi béni, mon bien-aimé Père, oh Dieu. On est par ton, mon bien-aimé Père Tibissant. C'est devant ta face, mon bien-aimé Père, je prie, mon roi. Tu es le Dieu qui bénit, bénit, il y a plein de personnes. Béni mon Père, mon Père, mon Dieu. Chaque fidèle de toi, chaque homme, mon Père, sa maison, Père. Qu'il soit béni, mon roi. Tu es digne d'être adoré. À toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance et la victoire. Car j'ai ainsi prié, Père Saint. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Yeah. Vous ne partez pas parce que vous avez encore des enfants pour qui je dois prier. D'abord, je commence par le bébé. Oui. Nous avons Abraham. Abraham. Alors que Dieu te bénisse. Le papa est où? Chaque promesse dans la Bible est bien. Bien sûr. Chaque chapitre, chaque verset, merci, chaque ligne. Que Dieu soit béni. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Notre Père et notre Dieu, c'est un jour particulier, mon roi, où nous pouvons voir ta bonté se manifester par à l'endroit de chacun de nos pères tubissants. Ce que tu as donné à mon frère et à ma soeur, c'est aussi à nos pères. Cet enfant, tu nous as accordé la grâce de voir l'avoir aujourd'hui, Père. Il était dans les seins de ma bien-aimée soeur, Père Tibissant, oh Dieu. Aujourd'hui, il est entre nos mains, Seigneur, ce que tu nous as donné la grâce, voilà, voir. Je prie pour qu'il soit béni, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Sois aussi protégé par ta main, mon bien-aimé Père Tibissant, oh Dieu, contre les maladies, bien-aimé Père Tibissant, contre les choses immondes, mon bien-aimé Père Tibissant, oh Dieu. Souviens-toi d'avoir perdu cet enfant, mon bien-aimé Père Tibissant, pour qu'il soit gardé par ta main puissante, mon roi. Vous avez par ta main soutenue puissante, mon roi. Seigneur, tu es le Dieu qui protège, car la maladie frappera, bien-aimé Père Tibissant. Souviens-toi que nous avons prié pour ces enfants aujourd'hui, bien-aimé Père, oh Dieu. Qu'il soit donc béni, mon bien-aimé Père Tibissant. Louange et honneur à toi, c'est un nouveau-né, mon bien-aimé Père Tibissant, Dieu, qui soit gardé par ta main puissante, mon roi. Qu'Abraham soit béni, Père, au nom de l'honneur, parce que tu n'as pas changé, mon Père. Sa mère soit bénie, mon Père, son papa, pour voir pour tous les besoins, mon bien-aimé Père Tibissant, afin qu'il soit heureux, mon bien-aimé Père. Sois donc béni et glorifié. Je t'ai ainsi prié, Père Saint, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ils sont spéciaux, nos enfants. Ils pleurent pas. Je crois qu'ils entendaient des cantiques dans le ventre. Et Dieu vous bénisse. Alors, je crois que mon frère et ma soeur ont venu aussi leurs enfants pour que je puisse prier pour eux. Alors, les deux aussi, c'est aussi... Oh là là, alors là, quel bonheur pour moi. Mais alors, comme vous les portez, vous vous approchez avec... Oh, en plus, ils sont jolis aujourd'hui. Mon Seigneur. Et dites-moi, ce sont deux filles? Et ici, ce sont aussi deux filles. Et en plus, deux garçons. Que Dieu soit béni. Mon grand, lave-toi, fais attention à ta tête parce que le béton qui est là, c'est dangereux. Mets-toi au milieu, c'est mieux. Alors, vous vous approchez comme ça, je vais prier avec. Voilà. Tendre Père et précieux Sauveur, tu es vraiment merveilleux. Et particulier dans ta façon de voir faire les choses, mon Père Saint. Aujourd'hui encore, nous voyons ta main puissante, Père. Voici mes frères qui sont venus avec leur postérité, Père Tibissant. Je prie pour ces enfants, sois béni, Père. Oh Dieu, c'est entre tes mains que je les présente, mon bien-aimé, Père Tibissant. Qu'ils soient protégés par ta main puissante, mon roi. Que ta main puissante soit toujours agissant, bien-aimé, Père Tibissant. Père, que le diable ne trouve jamais un chemin, Père. Que tout soit fermé, bien-aimé, Père Tibissant. C'est vivement pour ta gloire, ton Père. Que leur vie soit entre tes mains, bien-aimé, leur âme protégée par toi, Père Tibissant. La bonne santé, bien-aimé, leur soit accordée, Père Tibissant. Seigneur, la guérison, oh Père, parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Qu'ils soient donc béni et protégé, Père. Bénis la famille tout entière. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est un jour beau. Nous sommes heureux de pouvoir vivre de tels moments et que Dieu nous donne encore davantage. Et nous nous réjouirons toujours. Dans le psaume au chapitre 95, donc 95. Nous lisons à partir du verset 6, psaume 95, à partir du verset 6, nous lisons. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons donc le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu.
Et nous, nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez aujourd'hui entendre sa voix. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes encore aujourd'hui, de pouvoir nous tenir encore dans ta maison et de nous réjouir encore des moments tels que nous pouvons vivre encore aujourd'hui, Père, te bénissant la grâce d'avoir des enfants, ta bénédiction, Père, et des bonheurs voir te connaître, Père. Je prie pour mes frères et sœurs qui sont venus de loin comme de près, pour que ta bénédiction leur soit accordée, mon bien-aimé Père, te bénissant. Ils ont parcouru des kilomètres de distance, Seigneur, pour être en cet endroit, afin qu'ensemble nous puissions avoir la communion, et puis te supplier, Père, de pouvoir aussi nous parler, mon bien-aimé Père, pour qu'en rentrant chez nous, Père, nous puissions rentrer avec toi, avec ta parole dans notre cœur, être aussi changé, être aussi transformé, Seigneur, parce que nous voulons vivre ce moment-là, Père. Maintenant, Père, nous avons cette grâce de voir ta parole, mon sauveur. Oh, comme te supplions, Père Saint-Puissant, nous avons besoin que tu viennes encore nous parler. C'est toi qui sens les reins et les cœurs. Tu connais nos cœurs, tu connais nos besoins, tu connais encore nos désirs, Père Saint-Puissant. Là où moi j'ai failli, je te demande pardon, Père. Que tu m'accordes vraiment la grâce, mon Père Saint. Parce que moi et ton peuple, nous avons besoin de pouvoir t'entendre, Père. C'est vrai, l'homme est un homme, mais toi tu es Dieu. Puisses-tu encore nous accorder la grâce que tu viennes, Père, et prendre le contrôle du vase et d'agir comme tu le veux. Je te demande pardon, Père, quand je t'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous, nous disons merci à notre Dieu. Vraiment, ce sont des moments particuliers que nous passons et que nous réalisons aussi que vraiment le Seigneur ne cesse de pouvoir témoigner aussi sa fidélité et son amour à l'endroit de tout un chacun. Nous lui sommes reconnaissants parce qu'il est celui qui a dit dans sa parole qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'il est le premier et le dernier. Le commencement aussi et la fin. C'est Dieu que nous avons est un Dieu, comme les Saintes Écritures le disent, qui est vraiment le Tout-Puissant, qui contrôle chaque chose et qui domine aussi sur toute chose. Et nous le remercions parce que rien ne peut lui échapper. Si quelque chose lui échappait, alors il ne serait pas vraiment Dieu parce qu'il n'aurait pas le contrôle, effectivement, de tout. Et comme il est le Créateur, il doit et il devait avoir le contrôle de toute chose. Et c'est pour ça que nous devons être de ceux-là qui sont sans peur et toujours aussi, effectivement aussi, même dans le moment le plus difficile et qui semble que parfois nous ne nous voyons pas tellement très bien, mais que nous puissions avoir vraiment la paix. Parce que celui qui nous a fait la promesse, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, il est toujours fidèle. Et je me souviens que j'avais eu à pouvoir dire à notre sœur qui m'avait appelé pour prier, et je lui ai fait part, je crois que c'était elle, je ne sais pas si peut-être qu'il y avait quelqu'un, je parlais effectivement aussi, je ne sais plus à quel moment, et je lui ai dit, il arrive parfois que bon, nous sentons comment c'était le moment, on dit, mais le Seigneur, il n'est pas là, et ça, c'est un désir que nous avons, que le Seigneur soit toujours en permanence avec nous, parce que nous avons besoin de lui dans notre marche pour pouvoir nous éclairer, mais en ce moment, quand on marche, on se pose la question, est-ce qu'il est là? Où il n'est pas là, effectivement. Et moi aussi, ça m'était aussi arrivé. Parce qu'on a toujours ces désirs profonds que quand on marche, quand on avance, effectivement, on soit sûr et certain qu'on avance avec lui et on avance, effectivement, dans la direction qu'il veut que nous puissions avancer. Et ça, ça m'était arrivé, effectivement, je l'avais déjà dit ici, quand j'étais à Myanmar, effectivement. Alors, après que j'ai eu à pouvoir prêcher, je suis retourné dans la chambre d'hôtel et je me suis donc allongé, j'avais ma Bible là. Et comme c'était la première fois, je ne connaissais pas tellement très bien les pays, mais c'était un pays qui avait sous tension, comme c'était la dictature effectivement là-bas. Bon, comme il avait ouvert la porte, moi je ne peux qu'aller. Alors après cela, j'étais donc là dans la chambre et puis allongé comme ça, j'ai pensé, je ne sais plus très bien quoi, j'étais en train de penser, c'est au moment où j'étais après la réunion. Et puis je sens la présence du Seigneur qui vient à ce moment-là. Elle est tellement si forte. Et alors, il me dit donc de prendre la Bible. Je pris la Bible, et je n'ai pas pensé, et puis j'ai ouvert la Bible. Alors, je crois que j'étais tombé, c'était vers l'Apocalypse, quelque chose, je n'avais pas pensé dans l'Apocalypse. Alors, je lisais donc en rapport avec les quatre êtres vivants, et c'est à ce moment-là qu'il me pose la question, pour pouvoir savoir, avec ces quatre êtres vivants, où est-ce que je l'ai placé dans les Saintes Écritures. Bon. Et bien, je commençais à pouvoir mettre là. Et puis, il me dit que ce n'est pas conforme aux Saintes Écritures. Ça, celui-ci va avec celui-là, celui-ci va avec celui-là, celui-là va avec celui-ci. À ce moment-là, je vis en fait clair.
Alors, j'ai saisi l'occasion, et c'est ça que je vous dis est 100% vrai. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, j'ai dit, mais puisqu'il était là, mais avec respect, vous savez, c'est pas qu'on est, non, on est sous cette crainte, et vous sentez que, mais il vous donne l'occasion quand même de pouvoir penser à une question. Et j'ai saisi l'occasion, j'ai dit, mais Seigneur, mon Dieu, pardon, mais pourquoi je ne te sens pas beaucoup plus souvent, effectivement, que ce soit dans les réunions où je vais, effectivement, j'ai dit, je ne te sens pas vraiment comme si là. Quand tu n'es pas là, évidemment, pourquoi cela est ainsi? Écoutez bien, il me répond, il dit, mais j'ai toujours été là. Alors là, j'ai dit, Seigneur, donc pendant des moments même que je sentais que j'étais seul, tu étais toujours à côté. J'ai dit, que ton nom soit béni. Cela peut aussi vous arriver. Dans notre marche, effectivement, il semble qu'on sent qu'en ce moment, c'est comme s'il y a un vide quelque part. La seule chose que tu dois simplement te rassurer, c'est cette relation que tu maintiens entre toi et Dieu. D'être sûr et certain que dans ton âme, dans ton esprit, dans ta pensée, dans ta vie de tous les jours, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a eu à pouvoir prendre place. Parce que si quelqu'un d'autre a pris place, il est vrai que le Seigneur ne dispute jamais la place. Non, non, il va toujours se mettre à l'écart. Vous voyez bien cela aussi dans l'âge de la Odyssée, le Seigneur n'est pas dedans. Parce qu'on a mis quelqu'un d'autre dedans. Donc, comme on ne le veut pas de lui, il va simplement dehors. Mais comme il est toujours amoureux, il vient frapper. Pour demander, est-ce que tu veux que je puisse revenir? Il fait tout ce qui peut arriver parce qu'il sait que celui qui est à l'intérieur, que tu as fait rentrer, va te détruire. Mais lui, il sait que s'il rentre, effectivement, ben, il va réellement aussi te ramener, te restaurer, te donner ce dont tu as besoin, effectivement. Il nous arrive dans notre marche, effectivement, sans se rendre compte, parce qu'on a vraiment un adversaire qui est vraiment malin, mais vraiment, il est. Quand on dit il est malin, il est vraiment très malin. Vous ne pouvez pas rivaliser avec lui dans la main. Non, 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 il est vraiment malin. Mais alors, en plus, dans ce temps où nous vivons, il est devenu très fin dans la malignité, parce que, vous voyez comment est-ce que, revenons là, quand il est venu vers Ève dans le jardin d'Éden, il a montré effectivement sa ruse, en fait. S'il était venu avec quelque chose qui était, en fait, quelque chose d'autre, effectivement, on allait facilement découvrir que cela. Mais en fait, il est venu simplement avec ce que Dieu avait dit. Oui, oui, il est très malin. Il est risé, parce qu'il sait que si je vais avec quelque chose de tellement gros, ils vont voir. Donc il faut que je prenne quelque chose de tellement semblable, mais la même chose, mais quand je prends la même chose, eh ben, j'église quelque chose de tellement petit qu'ils ne peuvent pas voir. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Il dit, mais Dieu a-t-il réellement? Voilà. Et toi, naturellement, tu ne fais pas attention. Quand, parce que quand il a posé la question, là, a-t-il réellement dit? Toi, quand tu écoutes la parole, tu ne réfléchis pas. Mais en cet moment, a-t-il réellement dit, tu réfléchis. Alors tu ouvres la porte maintenant pour qu'il injecte ce qu'il avait besoin. Donc c'est sa façon, effectivement. Donc nous devons réellement savoir que nous avons un adversaire. Dans le psaume 95-95 dans des livres, on dit, venez, prosternons-nous et humilions-nous. Ça c'est la position, effectivement, que chaque véritable enfant de Dieu, lorsqu'il veut vraiment se tenir dans la présence du Seigneur, il ne peut pas se tenir dans la présence du Seigneur d'égal en égal. Non, il doit d'abord reconnaître effectivement dans la présence de qui il va se tenir. Parce que comme vous le savez, lorsque le souverain sacrificateur devait rentrer dans le lieu très saint, il devait réellement être tout à fait respectueux. Et respecter effectivement aussi les principes, même dans son habillement, même dans sa façon de pouvoir réellement marcher, parce qu'il n'allait pas aller dans la présence effectivement de son collègue ou de quelqu'un d'autre, effectivement. C'est dans la présence de Dieu qu'il entrait. Donc cet homme, pendant toute l'année, il doit se préparer en fait, pour qu'il ne puisse pas mourir en entrant dans cette présence-là. Et si vous remarquez très bien aussi, aujourd'hui par exemple, dans notre vie normale, j'ai appris que pour aller voir la reine d'Angleterre, entrer effectivement là où se trouve la guerre, pas de monde, hein, être avec elle pendant un moment, tu dois aller dans un endroit pour qu'on t'apprenne. Vous vous rendez compte? Vous savez, ce qu'on n'a pas inventé, parce que moi-même j'ai vu, donc j'ai quand même, c'est peut-être que vous n'avez pas, moi j'ai vu cela, hein, comme la demoiselle qui vient, l'américaine, qui veut se marier avec le bonhomme ici, le prince. Hein. Oui, ça aussi, j'ai vu. Hein.
La demoiselle, on l'a amenée dans une école pour apprendre comment s'asseoir, comment mettre les jambes. C'est ça, non? Oui, oui, moi-même, je n'invente pas. Ah oui, et comment tenir la tasse? Comment boire la tasse? Parce que devant la reine, on ne peut pas comme un petit gobelet. Non, il faut tenir la tasse comme ça. Donc les trois doigts ici doivent arriver à pouvoir englober. Et ceci, oui. Hein? Ah oui, oui, oui. C'est bien ma soeur Marie-Louise qui est là-bas derrière. Que Dieu te bénisse. Elle a changé, je n'avais pas tellement très bien vu. Que le Seigneur, je pensais, j'ai dit, mais y a-t-il quelqu'un de nouveau chez nous, ici, parmi nous? Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Alors vous tenez donc la tasse qui va comme ça. Et puis, vous devez arriver à pouvoir prendre. Alors, vous observez très bien. Et puis, d'après ce que j'ai compris, tu ne vas pas arriver là. Oh, bonjour la reine. Et puis, non, vous êtes toujours là, discipliné. C'est quand la reine touche la tasse que vous touchez la tasse. Quand la reine bouge la tasse, que vous bougez la tasse. Quand, non, non, mais c'est quand la reine amène. Parce que vous ne pouvez pas amener la tasse dans votre bouche avant la reine. Non. Il faut d'abord que la reine amène. Vous regardez, aussi longtemps qu'elle n'a pas posé la tasse, vous gardez la tasse sur la bouche. Et quand la reine pose, vous posez aussi la tasse. Donc ça, alors, si déjà, c'est la même chose aussi, là, au palais royal ici. Vous ne pouvez pas aller rentrer n'importe comment. On doit d'abord vous dire les manières de voir savoir vous tenir, comment saluer le roi, ainsi de suite, effectivement. Donc si parmi les humains, quand vous voulez voir le roi de la terre, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et maintenant, quand vous allez maintenant dans la présence du Dieu très haut, est-ce que vous, parce que vous savez, frères et sœurs, si aujourd'hui vous, frères, on vous invite, mais demain vous allez voir le roi, vous sentez votre cœur palpiter déjà. Vous commencez à vous dire, mais quel costume je dois mettre? Quelles chaussures je dois mettre? Comment je dois me tenir, effectivement? Donc, vous commencez à, ça commence à travailler vraiment en vous. Le jour en question, si le rendez-vous était à 8 heures, déjà à 5 heures du matin, le sommeil est terminé, vous vous êtes préparé, donc votre cœur est tellement dans un état que je dois arriver, et puis je dois vraiment me tenir, et puis je dois savoir quels sont le principe, comment pouvoir me tenir effectivement. Donc déjà, même votre intérieur, votre conscient, subconscient est conditionné pour ce moment-là. Et puis quand vous entrez dans la présence du roi, même votre démarche à vous. Vous n'allez pas marcher n'importe comment. Donc, vous veillez même par la façon de pouvoir marcher. Ça, c'est ce que vous allez faire. Si on vous invite aujourd'hui ou demain pour aller voir le roi. Ici, effectivement, que ce soit le roi ou le président aussi, effectivement, ainsi de suite. Mais alors, maintenant, dans la présence de Dieu très haut. Le monde que nous voyons ici ne voit pas ce que nous voyons. Quand le monde nous regarde ici dans cet endroit, il dit, mais ces gens, ils sont toujours dans ces bâtiments-là, ils vont, on ne sait vraiment pas tellement très bien ce qu'ils font là-bas, même quand ils viennent ici, mais on le trouve là, il y a toujours un monsieur qui est là devant, et puis il chante et qui, effectivement. En fait, le monde ne voit pas ce que toi et moi, nous voyons. Et le Seigneur a dit, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Ils peuvent venir se tenir là. Ils vont voir qu'il y a une atmosphère, ils vont sentir quelque chose, mais ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe parmi ces gens? Mais vous, vous devez savoir ce qui se passe parmi vous. Comme le jour de Pentecôte, vous vous souvenez, non? Les gens qui arrivent, mais ils sont comme ivres, effectivement. Mais non, Pierre savait ce qui s'est passé, effectivement, ce jour-là. Et ce qui s'est passé aussi pendant qu'il était dans la chambre haute, effectivement. Donc, chacun de nous, effectivement, qui est ici, donc, doit réellement être conscient, effectivement, que de ce qu'il fait dans un endroit comme celui-ci. Parce que si nous ne savions pas cela, nous ne serons pas ici. Donc, nous sommes venus ici parce que nous réalisons que nous allons à la rencontre de ces dieux vivants. Et qu'effectivement, que c'est dans la présence du Seigneur, comme il a prié tout à l'heure, il dit, Seigneur, nous te remercions. Qui peut douter que la présence du Seigneur est ici? On ne peut pas douter. Il dit, nous te remercions pour ta présence. Amen. Vous l'avez senti aussi, amen, au travers des chants et des cantiques, effectivement. Donc, si nous sommes dans sa présence, comme on dit dans la présence d'une reine, une femme qui va en mission d'un homme, mais si dans la présence de la reine, effectivement, on tremble pour pouvoir rentrer dans la présence d'un être humain, on a fait tout un tas de protocoles, mais maintenant dans la présence de ces dieux très hauts. Parce qu'il regardait très bien comme on nous a montré dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4. Il dit, mais autour du trône, ce n'est pas comme les rois d'ici. Ah non, non, non. Qu'est-ce qu'on trouve autour du trône? Un sac de madame et puis les chiens de madame. Vous comprenez? Avec les hommes. Mais c'est vraiment, oui. Vous, le trône qu'on voit ici, vous trouvez encore trop seulement les militaires parfois ou des gardes du corps. Mais là, autour du trône, il y a des éclairs.
Oui, vous voulez lire, effectivement, regardez très bien. Que Dieu te bénisse. Apocalypse chapitre 4, évidemment. Regardez comment les choses nous sont décrites, effectivement, aussi, devant cela. Alors, il dit, verset 4. D'abord, oui, chapitre Apocalypse 4, verset 1, il dit, « Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. » Alors, merci beaucoup. Aussitôt, je fus ravi. Vous avez la même version que moi? Oui. Aussitôt, je fus saisi, c'est ça? Oui. Vous avez ravi, hein? Oui. Ok. Alors, je vais reprendre la même version que nous avons ici. Alors, avec vous, donc, quatre, on va considérer notion par portion là-bas. Oui, c'est important que nous disions la même chose, là, ensemble. Pardon, oui. Voilà. Il dit, Verset 2, il dit, aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Ça vous rappelle, non? Oui, vous devez vous rappeler. Et c'est celui qui était assis sur ce trône, c'est celui qui tenait un livre scellé des sept jours. Vous vous souvenez? Amen. Voilà comment... Ah, c'est beau. Hein. Voilà comment Jean, quand il a été donc pris vers en haut, effectivement, donc enlevé, donc transporté là-haut, il a pu voir quelque chose qui l'a encore davantage frappé, effectivement. Et ce qu'il nous décrit ici, effectivement, en nous disant, donc aussitôt, alors dis-moi, donc verset 2, dis-moi, aussitôt donc je fis ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et les trônes étaient environnés d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc vous voyez déjà l'aspect, mon frère. C'est pas comme le trône de la terre, mon frère. On peut mettre et demander des fleurs de rose, mais ça peut pas ressembler. Là, on nous fait comprendre qu'effectivement, que c'est lui qui était assis d'abord. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Donc, c'est quelque chose de tellement si merveilleux. Donc, quand le fait de regarder, fait de Madipidi, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Mais quelle beauté, en fait. Et puis, il continue, mais autour du trône, je vis 24 trônes, et sous ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête de couronne d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Et devant le trône brûle cette lampe ardente qui sont donc les sept esprits de Dieu. Et puis il dit, il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant ainsi. Et là, au verset 8, il dit, et les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour, et au-dedans, ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Donc nous voyons que ce trône ne peut pas être un trône qui pourrait être comparé au trône de la terre. Alors, quand vous entrez dans la salle de trône de la terre, vous tremblez. Donc là, nous entendons la présence du Dieu très haut. Ce n'est pas un être qu'on peut comparer à d'autres, effectivement. Et vous et moi, nous devons être conscients de celui vers qui nous nous approchons. Pourquoi nous le chantons, mon frère et ma soeur? Pourquoi nous le glorifions? Parce que nous connaissons sa grandeur. Parce que quand on n'arrive pas à apprécier, effectivement, ce qu'il est, on ne peut pas le louer. Pourquoi le louer? Est-ce que vous comprenez? Je le loue parce qu'il est tellement extraordinaire. Parce que s'il y a un combattant, c'est lui le plus grand. Donc, c'est-à-dire que les adjectifs qualificatifs, effectivement, le superlatif. Donc, tout ça lui appartient. Le plus grand, le plus glorieux, le merveilleux, les grands. Donc, tout cela, parce qu'il n'a pas de quelqu'un d'égal. Voilà pourquoi nous les louons. Ah oui, frère et soeur, je le loue parce qu'il n'a pas d'équivalent. Amen. Alléluia. Oh oui, je chanterai la gloire de son nom. Amen. Mon frère et ma soeur, c'est cela que nous, à ce moment-là, nous comprenons effectivement ce que ça veut dire, s'approcher de ses dieux. C'est avec nous, effectivement, que les gens de l'extérieur pourront avoir effectivement du respect et de l'honneur à l'endroit de notre Dieu. Par le respect
que nous, nous lui donnons. Parce qu'ils vont répondre, mais ces hommes et ces femmes, non. Ils doivent vraiment aimer leur Dieu-là. Parce qu'on voit comment ils se tiennent pour ce Dieu-là. Ah non. Parce que c'est là aussi que Dieu a dit, mais je serai glorifié aussi en eux. Il faut que les gens voient qui vous êtes. Frère, comme nous l'avons eu il n'y a pas longtemps, effectivement, que nos rassemblements, des rassemblements comme les pentecôtistes, les baptistes, effectivement. Non, parce que maintenant, on a copié tout, on a transformé un tout petit peu avec le message. Frère, on ne doit pas copier. Dieu nous a fait sortir de toutes ces choses. Maintenant, nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur 100% pour nous dire comment faire. C'est pour ça que je vous dis, mais la chorale, vous n'avez pas besoin de... C'est vrai, j'en ai entendu, oh c'est beau, mais ça sert à quoi? Non, si on a les voix, bien sûr qu'on peut arranger, je veux dire, mais ce n'est pas un objectif, toujours, oui, il faut que je chante comme l'oiseau pédri, et l'autre, effectivement, comme les corbeaux, l'autre comme les canards, et puis on va faire un symbiose de... Ah, ce n'est pas bon. Non, il faut louer Dieu de tout son cœur. C'est vrai avec les voix, mais avec un cœur. D'abord, c'est le cœur. C'est dont nous, on a besoin, ce que le Seigneur soit toujours présent. Parce que c'est vrai, on a l'impression, que quand on cherche à pouvoir arranger, c'est pour que ça sonne bien aux oreilles des gens. Oui, vous n'allez quand même pas mentir, frères et sœurs, si vous voulez faire la voix de, que vous soyez, c'est pas mon problème, mais qui voulait faire la voix de Rossignol, et Goldberg, je sais pas moi comment ça s'appelle encore, ou Bildebulde, j'en sais absolument rien. Tout ça, mais oui. Vous voulez, bon, toi tu fais, on fait ça, on fait l'harmonie. Bon, vous faites ça pour qui? Est-ce que quand le Seigneur écoute les cantiques, est-ce que le Seigneur a besoin de ça? Je vous pose la question. Est-ce que vraiment le Seigneur a besoin de ça? Même quand vous dites, gloire à Dieu, il dit, je déteste cela. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas dedans. Donc ce n'est pas tout ce bout-là que Dieu a besoin. C'est ce que vous ne comprenez pas, frère et soeur. Tout ça vient toujours du catholicisme. On doit faire les timbales de ceci et de cela. Non, quand Dieu donne les dons, il peut te donner une voix qui sonne d'une manière. À l'autre, une voix qui sonne d'une manière. Ça, c'est Dieu, en fait. Alors, chantez avec les voix que Dieu vous donne. Vous allez voir que l'harmonie va se faire. C'est vrai, frère. Si nous, je sais que la plupart du temps, les gens, je dis, il faut qu'on puisse avoir un professeur pour pouvoir. Bon, vous allez, vous dites, frère, oh non, nous sommes les fils de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous conduire. Mais maintenant, vous avez besoin d'un professeur pour pouvoir faire travailler vos voix. Je les ai vus. Bon. Regardez. Vous avez la bouche normale. Quand tu chantes, chaque promesse, vous connaissez ça? Chaque promesse est dans. Pourquoi vous ne chantez pas? Chaque ligne. Chantez, vous allez voir. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chantons encore. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Vous avez remarqué, quand vous chantez, mais alors, si maintenant on doit chanter comme les, hein, chaque promesse, chaque ligne est mieux. Ah. Non, c'est sérieux, c'est pas pour vous faire rire. J'ai vu ça, moi. Chaque promesse, chaque ligne est mieux. Pourquoi? Parce qu'il faut faire la bouche pour que le son sorte bien. Et chaque promesse. Qu'est-ce que vous allez sentir? Non, c'est sérieux, frère et soeur. Nous devons être quand même assez conséquents dans ce que nous faisons. Parce que ce que Dieu demande, effectivement, c'est notre cœur. Dans le service de Dieu, on n'a pas cherché des choses à gauche et à droite. C'est comme j'ai dit aussi à nos chanteurs, là, des guitares et tout ça, tous les instruments. J'ai dit, vous n'avez pas besoin d'aller sur Internet. Non, parce que si Dieu vous a donné des dons, Dieu est incapable de pouvoir vous perfectionner. Ce dont on a besoin, c'est se mettre à genoux. Parce que les diables, lui, il donne aussi des choses. Quand vous avez remarqué que quand vous allez prendre ces choses-là qui sont... On va donner des cantiques, mais quand ton tididiri rentre, il ne colle plus. Pourquoi? Parce que c'est un tididiri étranger. Ah oui, mais c'est sûr et certain, il faut bien comprendre.
quand c'est un tintri-tri inspiré, il rentre bien dans la chose, effectivement. Non, parce qu'on n'a pas besoin d'amener les choses qui sont étrangères. On a besoin simplement de pouvoir s'ouvrir à Dieu. Frères et sœurs, ce que Dieu cherche, ce n'est pas des gens qui fabriquent quelque chose. Il a dit, viens à moi tel que tu es. C'est lui qui sait comment te tailler, en fait. Il veut, en fait, que cette nature qu'il a voulu placer en toi soit en toi pour que tu puisses vivre normalement, les servir normalement. Revenons à ce que nous avons dit. Donc, venez donc, comme l'écrit effectivement dans Psaume chapitre 85, effectivement, que nous avons lu, nous revenons vite là-dessus, où il nous fait part, effectivement, un rapport avec la manière dont on doit se tenir devant les seigneurs. Psaume 95, il dit... Venez donc, humilions-nous, prosternons-nous devant le Seigneur. Regardez très bien. Voilà, c'est cela. Venez donc, verset 6, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons donc le genou devant l'Éternel, notre Dieu. Ça, c'est une marque, effectivement, d'humilité, de reconnaissance à l'endroit de celui dont on considère comme étant, on a dit, le superlatif. En fait, cette manière de pouvoir arriver à pouvoir se prosterner, s'humilier, parce qu'on reconnaît la grandeur et la hauteur de celui, parce que mon frère et ma sœur, quand toi, en tant qu'enfant de Dieu, qui a eu la grâce, pas quelqu'un qui a la grâce de pouvoir vraiment recevoir le Seigneur Jésus-Christ, parce que quand on l'a reçu, c'est parce que nous étions dans une situation. Parce que me trouvant dans une situation où pour moi, je ne voyais pas d'issue. Mais on est venu me parler de celui qui a la capacité de me faire sortir de ma situation. C'est à ce moment-là que j'ai dit, non, j'ai cherché à gauche, j'ai cherché à droite, je n'ai pas trouvé. On m'a dit, mais il y a quelqu'un. Mais c'est quelqu'un en question, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Alors on me démontre effectivement ce qu'il a fait. Qu'il a déjà fait pour toi, avant même que tu penses qu'est-ce qu'il peut faire pour moi. Ce qu'il a déjà fait. C'est à ce moment-là que ton cœur à toi est touché, tu dis, mais alors j'ai besoin de lui. Et quand tu ouvres ton cœur pour le recevoir, c'est parce que tu étais vraiment dans le besoin. C'est à ce moment-là, beaucoup de reconnaissances vont aller à son endroit. Mais si tu l'as reçu comme quelqu'un qui est un religieux dans une église religieuse, c'est pas possible de pouvoir réellement arriver à pouvoir le servir de la bonne manière comme il se doit pour lui. Parce qu'en fait, tu n'as rien ressenti d'abord à son endroit. Est-il vraiment important pour toi? Mais quand tu sens son importance, à ce moment-là, tu as compris. Non, c'est vrai que je suis allé chez tel, ça n'a pas marché. J'ai fait ça, ça n'a pas marché. Mais quand lui, il est venu, alors les choses ont changé. C'est sûr et certain. C'est à ce moment-là que nous comprenons effectivement comment pouvoir nous tenir dans la présence de celui qui a fait quelque chose pour nous. Alors le verset suivant nous dit, car il est notre Dieu, nous l'avons lu évidemment aussi, et nous sommes le peuple dont il est le berger et le troupeau que sa main conduit. Donc, nous réalisons quelque chose de très important à ce moment-là. Ah, que c'est de la grâce de Dieu. C'est que quand nous savons qu'il est d'abord notre Dieu, et comme nous l'avons entendu, effectivement, dit que nous sommes le peuple dont il est le berger. Alors, si il est le berger, nous avons aussi compris que nous sommes donc des brebis, parce qu'on nous dit ici le troupeau que sa main conduit. Alors à ce moment-là, quelle certitude et quelle assurance de pouvoir se reposer. Parce que d'abord, il faut d'abord que je comprenne quelle relation y a-t-il entre un berger et une brebis. Entre le berger et le troupeau. Parce que si je ne comprends pas cela, je répète seulement ceci, effectivement, ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que je dois considérer que c'est Dieu qui m'a accordé la grâce? Il est mon berger. Et s'il est mon berger, comment je dois me tenir devant le berger? Quel serait donc mon rapport avec le berger? Vous n'avez jamais vu, mon frère et ma soeur, vous pouvez voir, une brebis aller chez le berger, se plaindre du berger. Non, je parle du Seigneur ici, hein.
vous me comprenez. Et puis, même dans la nature, effectivement, tu ne verras jamais une bébé. Il vient crier, ben, il vient vers les bergers, il commence à dire, mais toi, tu es un mauvais berger, toi, tu ne me conduis pas vers les bergers. Là-bas, chez les voisins, il y a beaucoup d'herbe, effectivement. Vous n'avez jamais vu ça? Je parle naturellement. Hein. Donc, la nature de la brebis, ce qu'il ne se plaint jamais. Ah non, 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 il s'est plaint jamais. Oh Dieu, je t'ai prié pendant des années, il n'y a rien qui change. Ah, on doit se poser la question. Parce qu'une brebis va bien. Seigneur, ce n'est pas possible. Comme je prie, je prie. Je pensais que toi, tu étais un Dieu qui entendait, qui répondait. Tu vois une brebis qui va vers les bergers comme ça. C'est ça le problème. Si déjà, dans la nature, on ne peut pas avoir. Vous connaissez les brebis, non? Une brebis qui va vers les bergers là, qu'ils amenaient dans le pâturage, effectivement, le berger qui a son bâton, et puis la brebis qui va là, qui commence à le regarder, finalement, on s'est dit, oui, moi je suis toujours là, mais pourquoi tu n'as pas fait ceci? Il ne fait jamais cela. Des choses naturelles typifient aussi des choses spirituelles. Donc la brebis est toujours attachée à son berger. Et la brebis a toujours, alors maintenant, une confiance sans même réfléchir. Je répète encore, une confiance sans même réfléchir. Donc elle a une confiance au berger que quand le berger dit « Ah !», la brebis ne réfléchit pas. Elle fait exactement ce que le berger dit. Pourquoi? Parce que la brebis a tellement une confiance en son berger qu'il s'est dit « Mais le berger ne pourra jamais me conduire dans une mauvaise voie. » Parce que quand j'ai même observé comment il est, on était un peu en troupeau, entre parenthèses, effectivement, j'ai vu une de mes collègues, effectivement, est tombée dans un trou. Et nous étions tellement nombreux, on dit, bon, bah, il est tombé dans les trous, effectivement, moi, je ne peux pas les faire sortir parce que je ne sais pas comment les tirer. Et les bergers sont partis avec nous. Nous étions même sans, effectivement. Et puis, bon, on s'est dit, mais ils ne s'occupent même pas, ils ne comptent même pas. Non, on est allé loin. Et puis, tout d'un coup, il reste debout. Il regarde. Il regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'il cherche? Parce que nous sommes nombreux, quand même, il ne peut pas s'occuper de lui, mais il s'est content de ce que nous voyons. Non, il cherche, il dit, oh, mais pourquoi il cherche? Parce qu'il a senti que quelque part, il y a un qui ment. Et puis on a regardé, il nous a mis dans l'enclos, il est sorti. Il a commencé à marcher, à chercher mon collègue qui était tombé. Alléluia! Et puis il est parti, et puis on voit les soirs. Avec parfois les vêtements qui déchiraient parce qu'il est passé par les endroits des piles, effectivement. Qu'est-ce qu'il était? Il était heureux avec notre collègue sur les épaules. Alléluia! Oui, monsieur. Oui, madame. Le bon berger. Il se soucie de chaque cas de ta vie, mon frère. Ne pense jamais que le Seigneur ne te voit pas. Ta souffrance, il la voit. Mon frère et ma soeur. Nous avons un Dieu tout puissant. Parfois, nous ne réalisons pas la grâce qui est tant des hommes sur la terre que le Dieu qui est dans les cieux te connaît et te regarde. Oui, frère, il faut que nous grandissions, que nous comprenions ce que c'est Dieu est vraiment pour nous. Nous l'avons entendu. Fléchissons les genoux. C'est quand on fléchit les genoux, on baisse la tête, effectivement, on lui parle, on reconnaît qui il est et il nous parle, on dit, mais Seigneur, tu es le seul Dieu. Frère, il a la solution à tous nos problèmes. Parce que lui-même, il est notre solution. C'est pour ça, finis les larmes, mon frère. Oui. La Bible ne cesse de pouvoir nous dire, mais si Dieu est pour nous, alors qui donc sera contre nous? Frères et sœurs, il n'y a pas un démon. Peu importe même Lucifer venir avec toute son armée qui peut venir à pouvoir te mettre par terre. Non. Tous les démons de l'enfer, alléluia, peuvent se lever, mais ils ne te mettront pas bas. Non, 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 monsieur. Alléluia. Pourquoi, mon frère? Pourquoi? C'est pas en l'air. Pourquoi? Parce que 1 Jean 4, il dit, mais c'est lui qui est en vous. Mon problème, c'est qu'il soit en moi. Pas ailleurs, non. Pas ailleurs, non. Mais où c'est? En moi. Alléluia. Parce que la Bible me dit, mais Christ en nous.
C'est l'espérance et la gloire. Amen. Mon frère. Mon frère. Parce que l'apôtre Paul dit, mais qui nous séparera? Serait-ce les anges? Non. C'est écrit, mon frère. Serait-ce la mort? Non. Serait-ce la maladie? Non. Ce n'est pas une histoire, mon frère. C'est une réalité. Il dit, mais dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que... Ça, c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, fait de toi, en tant que fils, en tant que fille de Dieu. Il y a une communion qui s'établit entre le berger et la brebis. Le brebis aime tellement les bergers que, en fait, elle a une confiance de tout son cœur, quand même, qu'elle sait une chose, que mon berger ici, il ne peut même pas concevoir le mal pour moi. Parce que quand j'ai vu ce qu'il a fait pour moi, parce qu'il faut d'abord souvenir ce que le Seigneur a fait pour toi. Alléluia! Mon frère et ma soeur. Ça, c'est quelque chose. C'est pour ça, frère, réveille-toi, ma soeur. Réveille-toi, mon frère. Ne reste pas la tête qui pense comme ça. Qu'est-ce que je me passerai demain? Comment je vais vivre? Effectivement, non, ton lendemain est assuré. Oui, monsieur. Oui, madame. Ton lendemain à toi, il est déjà assuré. Tu n'as pas à t'inquiéter. La seule chose, c'est fléchir les genoux. Savoir fléchir les genoux. Il a dit, mais si vous me cherchez de tout votre cœur, je vais me cacher? Non. Oui. Et Dieu te bénisse. Il nous a donné, vous savez, il nous a parlé pour que nous comprenions que nous, nous sommes différents de tous les autres. Il nous a ouvert une voie, effectivement, par laquelle nous pouvons savoir comment nous approcher de lui. Si vous me cherchez de tout votre cœur, il ne s'agit pas de quelques minutes, effectivement. Non. Il s'agit, effectivement, quand le cœur est dedans, vous aimez rester là. Oui ou pas? Quand vous aimez, vous avez besoin de pouvoir vous asseoir, vous voir et parler. C'est vrai. Les heures, on ne compte même pas. Quand le cœur est dans ce que vous désirez avoir, alors vous faites tout ce que vous pouvez. Même s'il faut passer 2 heures, 3 heures, je désire quoi? Cette communion avec celui qui a la capacité de pouvoir changer mon état. Nous, souvent, nous demandons beaucoup de futilité à Dieu. C'est dans les Saintes Écritures, on nous dit que l'Esprit dit Seigneur. Quand bien même nous ne savons pas quoi demander, ni comment demander, lui, l'Esprit dit Seigneur, par des soupirs inexprimables, évidemment, il parle à Dieu. En rapport avec ce que toi tu as comme besoin. Et les dieux qui sondent les reins et le cœur. Mon frère et ma soeur, nous sommes, vous savez, nous avons un très grand trésor que nous avons. Nous marchons comme des pauvres, des malheureux, des gens qui se disent que nous n'avons absolument rien. Mais c'est parce qu'en fait, tu n'as pas bien regardé ce que tu as. L'exemple que je vous ai donné l'autre fois ici, je crois, avant de partir. Où cet homme-là, dans le coin là-bas, dans un pays lointain, il avait des pierres qui brillaient, qu'il a ramassées dans l'eau. C'est pour lui de regarder ces pierres qui étincelaient. Il ramasse, ben, il vient, il met là, il n'avait même pas de chaise dans sa case. Il avait des petits bois ici. Pour avoir des chaises, il faut qu'il y ait l'argent pour aller acheter des chaises, effectivement, là-bas. Des tasses, n'en parlons même pas. Si les chaises, il n'y a pas de tasses, donc... Comment manger? Il mangeait effectivement sous des feuilles de bananerie avec ses doigts et tout ça. C'était pour préparer, il n'y avait même pas de l'huile parce que bon, il faut d'abord aller cueillir effectivement les noix de palme, piler tout ça, bon, ben, la viande. Il faut aller faire la chasse. Bloc, il y avait des magasins qui étaient là, mais il ne pouvait pas se permettre parce que, mais qu'est-ce qu'il avait? Une grosse quantité de pierres comme ça qui étincelaient dans une grande boîte.
Parce que quand il allait à la rivière, il nageait, il voyait tellement, tellement que c'était tellement beau, ça brillait bien. Il a voulu, comme nous ici, on met un plateau avec des fleurs dedans. Donc lui aussi, il a. Mais il y a eu un étranger qui est passé pour pouvoir simplement demander des renseignements. Ah oui, oui, oui. Cet étranger, il était devant, il parlait avec le monsieur, il voyait sur la table du monsieur les choses qui étincelaient. C'est la case qui, donc, parfois, quand il pleut, l'eau rentre dedans. Le monsieur ne savait pas que dans sa case-là, il avait 2 milliards. Quand il regardait, il ne savait pas la valeur des pierres qu'il avait. C'est lui qui était à l'extérieur, quand il a vu, qui a su effectivement. Bref, bon, pour que nous comprenions que nous avons les privilèges et la grâce. Mon frère et ma soeur, le monde dans lequel nous sommes, peu importe ce que les gens ne peuvent pas croire, mais le monde est en train d'aller à sa fin. Les gens vont dire, oh, vous êtes en train de pouvoir faire des trucs pour pouvoir seulement faire trembler les gens, il n'y a pas de problème. Mais simplement, avec leur propre science, posez-leur la question, pourquoi aujourd'hui? Puisque vous dites, bon, on fait ça pour vous faire peur, effectivement, que nous avons un avenir. Elle dit, mais posez la question, mais pourquoi aujourd'hui, tous les gouvernements de la Terre, ils vous parlent de problèmes climatiques? Il y a des marches partout, dans le monde entier. On fait la pression sur le gouvernement et l'écologie, hein, l'écologie, les CO, on supprime maintenant des voitures, parce qu'à l'époque, on avait fait voiture, on supprime des voitures, effectivement, donc on fait, mais pourquoi est-ce que vous, posez la question, pourquoi vous, vous êtes en train de pouvoir vous préoccuper maintenant plus de l'écologie et climat. Pour quelle raison? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, que même les glaciers s'effondrent. La température ne fait qu'augmenter, les saisons deviennent un peu problématiques, effectivement, on s'y peut très bien, les températures augmentent, les gens, et puis bon, en Australie, ce sont les cancers de la peau qui augmentent parce que la couche d'ozone s'est encore ouverte. Je vous dis, mais comment allez-vous colmater là? Maintenant, pour nous, nous savons, dans 2 Pierre, cette terre d'à présent, que vous le croyez, que vous vous dites, je ne peux même pas croire en ces dieux-là, on ne va pas vous supplier, que vous le croyez ou pas, c'est écrit, que ça ne va pas être immergé par l'eau. Hein. Non, Dieu avait déjà dit, non, je ne le ferai plus avec l'eau, voici l'alliance, l'arc-en-ciel. C'est ça, non? Il dit, mais maintenant là, ce qui attend cette terre, ce n'est pas l'eau, monsieur. Ah non, le feu. Et nous voulons le lire ensemble, comme ça vous pouvez voir, peut-être que ben, je pense que dans le livre de Pierre au chapitre 3, nous pouvons le lire avec vous pour que nous puissions comprendre. Nous mettons trop nos cœurs dans des choses inutiles. Voilà, alors il dit, ici, voilà, ici c'est pas là. Voilà. Bon, je vais quand même lire un peu. Vous allez me permettre. 2 Pierre chapitre 3, elle nous dit, merci Seigneur. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. 2 Pierre 3, verset 2. Afin que vous vous souveniez de choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra de mon cœur avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Et ils disent, et où est la promesse de son avènement? C'est la même chose que vous? Amen. La promesse de son avènement, car depuis que le Père sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Vous entendez cela? Mais par la même parole, gloire à Dieu, parce qu'à l'époque, ça n'a pas échoué. Quand Dieu a parlé par la bouche de Noé, que je vais détruire par l'eau, ils ont dit, oh non, c'est un fou, on n'a jamais vu l'eau qui descend du ciel, et c'est vrai qu'on n'a pas vu l'eau descendre du ciel, on n'a jamais vu l'eau qui descend du ciel, effectivement, pour pouvoir arriver à pouvoir, effectivement, tout détruire, c'est pas possible. C'était donc la rosée du matin qui s'est levée. Et scientifiquement, apparemment, ils avaient raison. Parce que d'où viendrait l'eau quand même, parce que là, il n'y avait pas d'eau. D'où viendrait l'eau? Vous voyez, c'est ça le problème, effectivement, entre l'homme qui croit en Dieu et celui qui se croit qu'il est intelligent. Il dit, mais je regarde, il n'y a pas d'eau. Mais il a oublié ce qui est dans Genèse au chapitre 1. Il était bien parlé des eaux qui sont au-dessus de l'étendue.
Ça, ils n'avaient pas entendu. Mais Noé, la foi n'a pas besoin de voir. C'est simplement croire, mon frère. Ce qui tue les gens aujourd'hui, parce qu'il veut d'abord voir un peu que Dieu fasse pour croire. Non, je vais simplement croire, Dieu va le faire. Même si ça prend 6 ans, ma foi ne va pas changer. Pas dans ce que moi je connais, dans ce que Dieu a dit. Pourquoi? Parce qu'il a prouvé qu'il était fidèle. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chapitre, chaque verset, chaque ligne. Merci. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, si ça ne vous plaît pas, nous, ça nous plaît. De savoir que chaque chapitre, chaque verset, oh frère, que Dieu te bénisse, moi. Là, j'y rentre, là, je me sens chez moi. Ça, c'est ce que mon père m'a donné. Chaque chapitre, chaque verset. Alléluia! Chaque promesse. Oh mon frère, ces livres, c'est un bonheur. Oui, nous avons ce privilège. Noé a eu ce privilège de croire ce que Dieu lui a dit. Cet homme, c'était vraiment par la foi qu'il fut sauvé. Parce que croire une chose qui ne peut même pas être conçue par la pensée de l'homme. Parce que depuis qu'il était là sur cette terre en question, il n'avait jamais vu la pluie. Mais Dieu dit que je vais détruire. Et l'homme, de tout son cœur, il croit, non, que Dieu soit béni pour des fils et des filles de Dieu. Aujourd'hui encore, qui croit. Parce que cet homme, contre toute attente, contre tout le mépris, parce que vous savez, le malin, il est malin. Il va toujours élever les gens pour t'insulter, pour te critiquer, pour te décourager. C'est son travail. Mais le Seigneur te dit, fortifie-toi et prends courage. Toujours, toujours, fortifie-toi et prends courage. Voilà, ça c'est notre Dieu. Lui, il ne va pas te critiquer, non. Alléluia, il va toujours t'encourager. Il y avance, avance, oui. C'est vrai, mon frère et ma soeur. Les diables viennent au découragement. Oh, regarde-les. Regarde-là. Depuis qu'il fait, on pensait, il pensait, il pensait. Ça, ce n'est pas la personne que tu entends. C'est les diables dans la bouche de la personne. Mais toi, quand tu entends ça, tu dis, chaque promesse dans la Bible. Alléluia. Mon frère et ma soeur, nous avons besoin de pouvoir reconnaître notre position dans les choses que notre Seigneur nous a donné. Vous savez, c'est une grâce extraordinaire de réaliser ce que Dieu a fait comme transformation dans notre vie. Et le problème, c'est que nous écoutons, mais en fait, nous ne croyons pas. C'est ça la grande tristesse. C'est ça la grande tristesse. Et ça, ça fait le bonheur de Satan, la tristesse de Dieu. Tu puisses écouter ce qui était dit. Tu te réjouis, mais en fait, au fond, ça ne rentre pas. Ça reste ici, et puis ça sort, puis les raisonnements. Aussi Dieu, aussi Dieu. Mais il te montre bien que, avec lui, toutes choses sont possibles. Et en fait, comme nous l'avons vu avec la brebis, lorsque tu connais vraiment ton berger, et comme David a pu le dire encore, voilà l'homme qui connaissait réellement. Il était tellement amoureux de son Dieu, il dit, l'Éternel est mon berger. Amen, amen. Et puis il dit, nous lisons avec vous, psaume 23, pour que nous voyons que même si vous ne voulez pas aimer Dieu comme cela, il y a eu des hommes qui ont consolé Dieu en l'aimant comme Dieu voulait en fait qu'il soit aimé. Alors il dit que l'Éternel est mon berger. Vous comprenez cela? Et puis il certifie en disant, mais moi ici, je ne manquerai. Vrai. Non seulement il a parlé cela, mais il nous a témoigné de cela. En fait, il n'avait. Il dit, mais verset 2, il dit, mais il me fait reposer dans de verts pâturages. Il ne va pas te mettre avec les scorpions et les aigles, comme les serpents aussi, pour qu'on puisse. Non. Dieu met sa main sur toi pour te protéger. Il dit, j'envoie mon ange devant toi pour te garder en chemin, pour te conduire et pour te protéger. Oui, c'est vrai, mon frère et ma soeur. La Bible dit aussi, non, l'ange éternel campe pour tous ceux qui le craignent.
Donc effectivement que le Seigneur, notre Dieu, nous avons vu quand même les témoignages de ces dieux, nous qui sommes des croyants. Amen. Je ne parle pas des croyants, mais nous qui sommes des croyants, nous avons vu que pendant 40 ans, amen, jour pour jour, oui, en marchant, oui, leurs vêtements, amen, leurs chaussures, oui, ne s'usèrent point. Amen. Donc Dieu prenait soin même des semelles, des chaussures. Alors, comment est-ce que moi je peux douter de ces dieux qui a fait quelque chose que l'humain ne peut pas faire 40 ans. 40 ans. Et je dois commencer à pleurer pour les vêtements. C'est pour ça que quand nous connaissons celui avec qui nous marchons, alors nous sommes vraiment... Le problème, c'est qu'on ne cherche pas à pouvoir le connaître. Cherchons et connaissons l'Éternel, car sa venue est aussi comme celle de l'aurore. Il vient bientôt. C'est dans le livre d'Osée. Hein? Connaissez cela, okay. Alors, continue, il dit, alors, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Maintenant, regarde. Parce qu'il n'a pas dit que je n'aurais pas ceci. Il dit, mais quand je marche dans la vallée d'où? De l'ombre de la mort. Ah! Et puis, il dit ici en bas, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Mais... Il pouvait aussi dire, mais Dieu ne peut pas me faire passer par la vallée de la mort, puisqu'il a... Non, il dit, mais quand je m'adonne, je peux passer là, mais en fait, je ne crains aucun mal. Amen. Parce que toi, tu es avec moi. Donc ça, quand vous connaissez celui-là, vous savez quelle position vous devez adopter, mon frère. Dans toutes les circonstances, pourquoi, frères et sœurs, vous vous plaignez toujours, vous lamentez toujours, effectivement, ça ne change pas. Parce que vous êtes même assis là, mais vous entendez, mais vous ne comprenez rien. Votre présence, simplement, c'est pour calmer votre conscience. J'ai quand même été à l'église. Ça, c'est pour les catholiques. Pour les baptistes, les pentecôtistes, les tout cela, effectivement. Mais pas pour le Fils de Dieu. Non, un Fils de Dieu, quand il vient, mais c'est pour avoir communion avec son Père, qu'il entende ce que son Père lui dit, et il sort avec courage parce qu'il avait un problème, il avait une question, son Père lui a répondu. Quand il sort ici, tu ne vas pas le voir comme les temps où il était rentré. Non. Il était rentré tout avec des remords dans le cœur de la Bible. Mais il sort, il dit, alléluia. Amen. Et puis il dit, chaque promesse amen dans la Bible amen est mienne. Amen. Alors, je sors avec ça. Frères et sœurs, sur mon chemin, comme les candidats, mais sur le chemin, va sans peur. Amen. Non. Cet homme nous montre effectivement les degrés qu'arrive un homme qui aime tellement Dieu, qui reconnaît effectivement sa position par rapport à ses dieux. Amen. Il dit, mais ta houlette et ton bâton, regardez, ta houlette et ton bâton me rassurent. Frères et sœurs, même dans la vallée de l'ombre de la mort, amen, l'œil de l'Éternel est sur toi. Amen. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il a dit à Satan? Il dit, oui, mais tu vois, c'est pas pour rien que Job t'aime, etc. Tu l'as béni, il dit, mais touche pas, il dit, bon, je te permets de toucher à ses biens, mais pas à sa vie. Amen, amen. Eh bien, Satan a touché à tout le bien de Job. Vous savez, quand Dieu permet, écoutez-moi très bien, quand le Seigneur, notre Dieu, permet quelque chose dans ta vie à toi, ça va te faire mal, ça va te faire de douleur, effectivement, mais Dieu sait pourquoi il a permis cela. La seule chose que toi, tu dois vraiment apprendre, c'est lui faire confiance. Voilà pourquoi les Saintes Écritures sont notre bonheur, parce qu'on nous dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment. Ah! Pas de bien pour le bébé qui aime un peu. Non. Qui aime vraiment Dieu. Quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, tout ce qui peut t'arriver, que Dieu a permis, c'est pour ton bien. C'est pour ça, les chrétiens, fils de Dieu, ils ne se plaindront jamais. Non, frère. Non. Pourquoi, Seigneur, ceci? Quand on était encore des enfants, mais quand il nous a éduqués, je dis, mais Seigneur, mais si tu as permis, amen, amen, parce que je suis resté accroché à toi, si tu as permis, amen, ce que tu sais pourquoi. Amen. C'est le cas de Job, n'est-ce pas? Amen. Quand Satan a touché, il a touché tous ses enfants et tout ce bien. L'homme pouvait, même la femme dit, maudit Dieu meurt. L'homme était à mesure de pouvoir, il pouvait le faire en tant qu'homme.
Mais il s'est souvenu. Ah oui, mon frère, parce que c'est là qu'on comprend l'importance pour toi et moi d'avoir vraiment une expérience à un moment avec Dieu. Parce que cette expérience-là va te cimenter, s'il vous plaît. Parce que quand le prêtre viendra, tu te souviendras de lui. Quand j'étais aussi, Dieu m'a secouru. Dans ceci aussi, Dieu me secourra encore. Parce que tu dis, mais si je me sépare de ce Dieu, j'irai où? Si je doute de ce Dieu, je vais croire en quoi? Est-ce que tu comprends, mon frère? C'est important. Voilà pourquoi que on a poussé Job. Job, il connaissait Dieu parce que Dieu a dit de lui, c'est un homme intègre. Il aime tellement Dieu parce que Dieu aimait Job. C'est pas pour rien qu'il a vanté devant Satan. Il savait bien que Satan est l'ennemi de ceux qui aiment Dieu. Il le savait. Alors voilà que quand Job a pu voir cela, on dit maintenant, maudit Dieu meurt, tu vois, bah, c'est, ça sert à rien, tout ça. Toute ta vie à toi, tu avais bâti, tu avais les troupeaux qui couraient là-bas, et puis tes enfants que tu aimais tellement, pour qui, et puis vraiment, comment Job faisait, il priait pour ses enfants, il les ramenait là, il veillait vraiment, donc, pour que rien, non, que Dieu soit béni. Quand Dieu aime un homme vraiment, cet homme ne va pas avoir facile. Soyez-en sûrs et certains. N'attendez pas que pour aller au ciel, vous serez dans les fauteuils bien douilleux, qu'on vous mette des fleurs, des viandes dans la bouche, effectivement. Alléluia, je vais au ciel. Non, monsieur. C'est avec des épreuves, des difficultés. Oui, monsieur. Oui, madame. Vous vous plaignez tout le temps. J'ai ceci, Seigneur, c'est pour mon papa. Mais c'est pour votre bien. Les épreuves par lesquelles vous êtes tenté de voir passer sont plus précieuses que tout ce que vous pouvez imaginer comme l'or. C'est par là que Dieu nous taille. Bien sûr. On va vous faciliter. Il y a même celui qui prêchait à l'époque, je vous l'ai dit ici. Oh, l'évangile, Dieu, c'est un Dieu de prospérité, comme j'ai entendu. Ce prospérité, il va donner. Il faut donner. Un fils de Dieu doit avoir beaucoup de maisons, beaucoup de voitures, beaucoup d'argent. Donner. Mais aujourd'hui, ils étaient coincés quelque part. Et il a confessé, il a pleuré. Il dit, on a prêché l'évangile de prospérité. C'était contre Dieu. Quel est ce Dieu-là que vous prêchez simplement, l'argent va venir. Évidemment, le diable va vous donner aussi. Évidemment, monsieur. Vous pouvez avoir, effectivement, mais ça vous égare. Ne cherchez pas trop. Et bon, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais si vous voulez suivre le conseil des Saintes Écritures, ne soyez pas amoureux de l'argent. Et pour vous qui dites, l'argent, frères et sœurs, vous finirez à pouvoir aller vivre, enfin, aller en enfer. Ce que vous entendez, c'est vrai. À cause de l'argent. L'argent. Frère, ce n'est pas. L'argent est la racine de tout le monde. Et puis quand vous l'avez aussi, vous perdez la foi. Bon, je me contente. C'est comme ça que j'ai béni Dieu. Quand ça commence à se devenir sec, je dis, aïe Seigneur. Et pitié. Mais si tu le gardes, c'est toujours monter. Et tu vas voir le temps de voir briller. Tu deviens encore plus heureux. Dieu m'a donné. Mais tu ne parles même pas à ces dieux. Mais quand on voit un tout petit peu, on dit, aïe Seigneur, pour l'amour de Dieu, et pitié, oh, que ton nom soit béni, tu es le grand Dieu, je te loue de tout mon cœur parce que tu es le Dieu qui pourvoit pour moi, alléluia. Donc je chante Dieu parce que j'ai besoin qu'il fasse quelque chose pour moi. Donc les épreuves, ça nous pousse à pouvoir chercher la face de Dieu. Quand tout va bien, tu ne cherches pas Dieu. C'est pour ça, ne soyez pas amoureux de l'argent. Parce que notre Père Céleste, il ne vous laissera jamais sans argent. Nous nous créons des problèmes pour rien. À cause de l'humanité comme ça, non? À cause de l'argent. C'est écrit dans les derniers jours. Votre attention, dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, fanfarons, blasphémateurs. Et puis quoi? Que Dieu vous bénisse. Amis de l'argent, bien sûr. Or, c'est une chose qu'on ne doit jamais. On va me trouver comme malade, mais évidemment, mais Dieu ne vous demandera jamais de pouvoir aimer l'argent. Et puis, ah, il faut que je puisse savoir si je n'ai pas frère. Non, on a prié tantôt. Seigneur, bénis les papas, bénis la maman, pour qu'ils aient des moyens pour prendre soin de qui? Donc ces enfants-là, comme on a prié comme ça, papa et maman auront toujours des moyens. Bien sûr. Même quand on vous dit, oh, mon frère, je vois peu, c'est comment je vais acheter du lait. Mais souviens-toi qu'on a prié. Vous connaissez la veuve de Sarepta? Ça doit vous rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ est toujours le même.
Parce que il faut arrêter de se plaindre. La brebis ne va pas se plaindre chez les bergers pour dire, mais tout ma berger, vous vous souvenez, non? Tu vois comme, bébé, ça y va de même, comment ça t'appelle? Tu m'amènes pas, je ne vais pas, je suis toujours là, je suis à sec. Non, jamais. Il a mais c'est vrai, il a tellement une confiance. Frère, quand vous connaîtrez Dieu, vous l'aimerez. Quand vous connaîtrez le Seigneur, vous l'apprécierez. À ce moment-là, dans toutes circonstances, vous, vous serez de ceux-là qui seront assis et disent, mais frère, mais une heure de prédication, c'est trop peu. Non, frère, c'est une heure, c'est trop peu. Et si on peut encore, peut-être l'après-midi, je donne un exemple, hein. Si on peut encore l'après-midi, on va manger. Et puis, de toute façon, dimanche après-midi, qu'est-ce qu'on va faire? Toute la semaine, on est toujours avec les patrons, les dossiers, tout ça. Hein, tout ça, et puis on rentre à la maison, on mange le lendemain matin, métro, tout ça. Bon, télévision, on les regarde toute la semaine. Dimanche, on ferme la télévision. On reste là, Seigneur, on veut te donner une journée. Le matin, on a prié, on a entendu la parole. L'après-midi, on reste là pour chanter, pour danser, pour prier, pour te louer. Et puis, on prie pour nous, on rentre à la maison. Le lundi, on est fort. Ils étaient chaque jour. Voilà. Oh frère, tu nous embêtes. Non. Et on ne les disait pas venir. Non, tout seul. Hein, tout seul, ils trouvaient la porte fermée. S'ils disent qu'ils étaient devant, mais c'est pas possible. Ouvrez-nous la porte. Pourquoi? Mais pour pouvoir être dans l'assemblée quand même. Mais aujourd'hui, nous, on a soif. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Ça, c'est toujours une brebis. Qui a toujours. Parce que vers qui d'autre veux-tu que je puisse aller? Qui va m'aider dans ce monde? D'ailleurs, quand on voit, Dieu nous aide beaucoup. Hein? Vous connaissez quand même le combat que nous avons. Le sœur, quand tu dois faire, par exemple, les infirmières. Quelques-uns, pourquoi? Parce que quand on va là-bas, non, madame, non, monsieur, il faut un pantalon. Vous avez diplômé, tout ça, je vais travailler maintenant, il faut un pantalon. Dis, non, moi, je viens avec les jupes. Madame, vous, avec vos histoires, là, effectivement, si c'est du Moyen-Âge, nous, on veut pantalon. Mais ce n'est pas le patron, c'est les diables. Ils ne cherchent pas tous les moyens de voir te coincer. Maintenant, tu vas dire, quand il va se passer comme ça, je reviens vite dans l'Empire pour terminer. Quand il va se passer comme ça, toi, il va dire, oh, tu restes dans le coin du bon. Quand même aussi, avec leurs histoires aussi, des pantalons, tout de même, bon. Dieu. Puis quand tu as entendu quelqu'un dans le livre, Dieu ne regarde que le cœur, il dit, c'est vrai quand même. Hein. J'aime Dieu tout de même. Bon. Et puis en plus, tu justifies. Et puis en plus, bon, alléluia, gloire à Dieu. Ce n'est que l'uniforme. Donc, l'uniforme, ça n'a rien à voir avec. L'uniforme. L'uniforme. Puis j'aime mon travail, il fait comme ça, il m'en gagne pas. L'uniforme. Eh bien oui. Mais quand tu es une fille d'Abraham, il y a une chose qui va se passer. Seigneur, maintenant, on me refuse parce que je ne vais pas porter les pantalons. Si je ne porte pas, je vais perdre mon travail. Mais toi, tu as dit que c'est une abomination. Pour une fille de Dieu, de porter les vêtements d'homme. Peu importe ce qu'il va penser. Mais c'est vrai que je vais perdre mon emploi. Je vais quand même te dire merci. Merci pour quelle raison? Parce que Seigneur, avant que ce jour ici n'existe pour moi, pour ce travail et ce premier pantalon, tu l'avais vu. Ah oui, monsieur. Tous les jours qui m'étaient partis étaient inscrits. Psaume 139. Hein? Hein? N'oubliez jamais la parole de Dieu, mon frère. C'est ça votre force. C'est ça votre puissance. Mais c'est vrai. Avec ça, vous repoussez l'ennemi. Parce que Satan veut te mettre de la tristesse. Mais toi, souviens-toi. C'est pour ça que vous venez ici. Souviens-toi de toutes les paroles que Dieu t'a dit. Tu es quelqu'un que Dieu équipe de quoi? La parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui a vaincu Satan? La parole de Dieu. Alléluia. Bien sûr. Amen. Voilà pourquoi il vous distrait tout le temps. Parce que tu ne veux pas entendre le jour où tu as un problème, tu commences à parler. Il y a plus, c'est vide là-dedans. Tu ne sais plus où t'accrocher. Ah oui. Parce qu'il dit, mais si c'est rempli de la parole, quand l'épreuve vient et la parole fait puis, il dit, souviens-toi, qu'est-ce qu'on dit? Tu te fais fort. Ah! Seigneur, écoutez bien, Seigneur. Donc si toi tu avais vu ce jour, pourquoi aurais-je peur? Vraiment. Ce que tu avais vu ce jour, dont tu avais déjà prévu un autre travail pour moi. Alléluia. On va dire, mais qu'est-ce qui va pas dire? Ah, gloire à Dieu. Amen. Mais on te chasse, gloire à Dieu. Amen. Ah oui, monsieur, parce que vous me chassez ici, il y a un travail Amen. Meilleur quelque part. N'oubliez jamais, chaque jour de ta vie, Dieu l'avait inscrit. Amen. Il n'y a rien
absolument rien qui peut t'arriver par hasard. Toi, en tant que fils de Dieu. Comme tu t'es aligné, tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Oui, monsieur. Comme tu t'es retrouvé dans la position dans laquelle Dieu voulait, les épreuves vont passer sur le chemin, mais en étant là, toutes ces choses-là, Dieu les avait déjà solutionnées, et que sous ton chemin, ils avaient déjà prévu des réponses, des ici, qui fait que quand tu passes par ceci, en restant attaché, tu vas obtenir ça. Job ne pouvait pas le savoir. Mais avant même que Job soit conçu dans les seins de sa mère, Dieu avait déjà prévu cette épreuve. Bien sûr, mon frère et ma soeur. Bien sûr. C'est pour ça le plus grand problème, enfin, la plus grande chose que vous devez être sûr et certain, c'est de se poser la question, où est le Seigneur? À l'extérieur ou à l'intérieur? Parce que s'il est dans ton intérieur, même un petit morceau de cantique, tu n'as pas besoin de la batterie ou de ceci. Il nous accompagne seulement. Mais toi-même, on te voit simplement, tu es debout. Il dit, qu'est-ce qu'il a? Oh, l'amour s'élance. La reconnaissance à l'endroit de ces dieux, mon frère et ma soeur. Tout le jour de ta vie, Dieu de la Bible, notre Seigneur Jésus-Christ, il t'a rassuré la paix, il t'a rassuré le pain, il t'a rassuré l'eau, il t'a aussi rassuré aussi le logement. Ce n'est pas lui qui nous a dit ne vous inquiétez de rien. C'est lui-même qui nous a dit, non? Puis il nous a dit bien que ceux-là qui s'inquiètent, qui poutent peut-être dans le son, des païens, ce sont les païens qui cherchent. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Vous me regardez comme c'était écrit dans la Bible, non? Vous connaissez, non? Matthieu chapitre 6, non? C'est ce, mais posez-vous la question quand même quand il dit, mais ce sont les païens qui cherchent toujours, effectivement. Je vais le lire avec vous. Matthieu 6, peut-être que j'ai lu ça, puis on va prier. Matthieu chapitre 6, regardez. Matthieu 6, qu'est-ce qu'on a vu? Voilà. Matthieu au chapitre 6. Verset 25, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez donc vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez donc comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe de champ, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont qu'il faut croire. Ah! Est-ce que vous comprenez maintenant? Les inquiétudes de ceci, de cela. Moi, je cherche simplement votre reste. Est-ce que j'ai la foi dans la parole? Est-ce que j'ai le Seigneur avec moi? C'est ça qui doit me préoccuper tous les jours. Pas un problème d'argent. Non, d'abord, je dois être rassuré que le Seigneur est avec moi. Parce que je peux avoir toute une valise, même des sacs et tout ça, même une banque entière d'argent. Si je m'endors, je dors aujourd'hui, je meurs aujourd'hui, l'argent, la banque en question, ça va rester parce que la banque va l'utiliser avec quelqu'un d'autre. Et moi qui me suis battu toute ma vie entière pour avoir cet argent, c'était un avorton, quelqu'un qui n'a même pas travaillé pour. J'ai travaillé pendant 40, 60 ans. Mais maintenant, on dit, viens à l'église. Non, je dois épargner pour la pension. Viens à l'église. Oh, je n'ai pas beaucoup de temps parce que je dois l'argent, je dois quand même gagner de l'argent. Parce que... Et puis, tu arrives à la pension en question. Oh, papou, le cœur s'en va. Tu as travaillé, tu n'as même pas, tu n'as même pas même utilisé, même pas une petite moitié, une petite grande partie de ce que tu as épargné toute ta vie entière. Qui va l'avoir?
Qui va avoir toute cette épargne-là que tu as fait? Il y en a des gens comme ça, non? Épargne, viens prier. Ah, j'ai pas beaucoup de temps. Je dois faire le travail du matin, le travail d'après-midi, le travail du soir. Gloire à Dieu, j'ai le cœur à l'assemblée, mais le temps n'est pas là pour le travail. Bien sûr. Mais quand ton âme sera redemandée, où iras-tu? Parce que chaque chose que vous faites pour Dieu, vous épargnez de l'autre côté. Nous devons avoir l'assurance de ce que c'est Dieu est pour nous. Et comme nous pouvons aussi le dire, si l'Éternel est notre berger, alors nous sommes ses brebis. C'est pour ça qu'il dit que mes brebis entendront ma voix. Ne suivons pas la voix des étrangers. Une brebis ne se plaint pas de son berger. Peu importe la taille de l'épreuve dans laquelle tu passes, la souffrance, la douleur, aussi longtemps que tu connais Dieu, sois sûr et certain que cette épreuve-là, tu sortiras plus que vainqueur. Mais l'épreuve par laquelle Dieu te fait passer, c'est toujours pour ton bien. Que ce soit même la maladie. Vous entendez les amens? Alors, si vous ne le croyez pas, pourquoi vous chantez? Et quand la maladie vient, pourquoi vous dites ça alors? On chante un peu. Et quand la maladie vient, elle travaille pour mon bien. Elle fortifie ma foi. Amen. Puisque j'aime Jésus. Vous avez compris? Amen. Parce que j'aime Jésus. Je comprends que même si je suis malade, en tout cas c'est pour mon bien, alors il fortifie ma foi. Et quand la mort me frappe, elle travaille pour mon bien, je vais me reposer. Puisque j'aime Jésus. Vous le croyez? Amen. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mon frère et ma soeur, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de dire, Seigneur, pourquoi? Et pourquoi moi ça ne marche pas? Sinon, tu ne peux pas te comparer à quelqu'un d'autre. Regarde-toi dans le miroir, toi-même avec Dieu. Dieu a un travail à faire avec toi. Arrêtez les plaintes. Glorifiez Dieu. Lève-nous.